La question, je crois, n'est pas d'allonger. Nous avons, la question, euh, les de financer le système. Mais nous a, nous oui, avons les, question, les capacités oui. et la richesse dans notre pays de financer effectivement un autre système. Euh, les cotisations, on parle des cotisations sociales des travailleurs, des employeurs. Il y a aussi aujourd'hui de plus en plus les revenus financiers qui eux ne contribuent pas euh, à cet effort de solidarité. Et donc oui, on a un vrai débat politique à avoir. Est-ce qu'aujourd'hui dans notre pays l'allongement de la durée de vie c'est un coût ou c'est au contraire un atout? Pour, pour notre pays demain. Ce que disait si monsieur, c'est que quand on a si, 55 ans, on n'arrive plus à trouver du travail. Si Donc pour l'instant, c'est si un, un atout, problème. Si c'est un atout, et je pense que ça l'est, parce qu'aujourd'hui, la place des retraités, nous le vivons, nous sommes tout, tous élus ici autour de la table, mais font vivre aussi les associations, participent euh, à, à, à la vie dans, dans nos communes et, et à cet effet de mmh. solidarité. Donc mmh. moi, je suis pour qu'effectivement, la retraite aujourd'hui, et on a les moyens de le financer, puisse y compris revenir à 60 ans. Mais là où le gouvernement se trompe, c'est qu'il a joué depuis quelques semaines et depuis quelques mois maintenant la division entre chacune et chacun de, de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Il a voulu opposer pour permettre à sa réforme des retraites, effectivement, de passer. Une chose est sûre, et tout métier confondu, c'est que quand les uns et les autres commencent à faire des simulations, il va falloir travailler plus longtemps pour gagner moins. Et effectivement, ce 5 décembre, ce ne sera pas une journée où l'on va opposer les gens, mais une journée où les gens vont se rassembler. Et je crois que le gouvernement doit l'entendre. C'est lui qui, aujourd'hui, a entre les mains le devenir de notre pays après le 5 décembre. Ce n'est ne pas, pas la mobilisation qui va bloquer ou pas le pays. C'est ce que fera ou ne fera pas, ce que dira ou ne dira pas réellement le gouvernement et la majorité présidentielle dans les jours qui viennent.